Je m'appelle Ingeborg von Bronsart. Je suis née à Saint-Pétersbourg en 1840 dans une famille d'origine suédoise. Dès ma petite enfance, j'ai montré de grandes aptitudes pour le piano et pris plaisir à composer. L'enseignement de Franz Liszt à Weimar a été déterminant et il est resté un modèle pour moi lorsque j'ai composé des pièces pour le piano. À l'âge de 18 ans, j'ai mené une carrière européenne de pianiste aux côtés de mon mari, Hans Bronsart, qui était également pianiste et appartenait au cercle musical de Liszt. Je me suis également adonnée à la sculpture. Aux alentours de l'âge de 27 ans, je me suis consacrée à la composition de mélodies et d'opéras qui ont rencontré un franc succès, tel mon Kaiser Wilhelm March qui a été donné à l'exposition féminine mondiale de Chicago en 1893. Mes opéras ont été comparés à ceux de Wagner, mais je ne partage pas tout à fait ce point de vue. J'ai composé également un concerto pour piano, des œuvres orchestrales et de la musique de chambre, mais il fut souvent difficile de les faire éditer. Les deux Weinartslieder, opus 11, composés sur des textes d'Otto Jacobi, sont dédiés à Liszt.